encore une journée de rêve au royaume de l'imaginaire. Oh, ce que je m'ennuie. Dire que je parcourais le monde, je combattais les monstres, je dormais dans la boue. Oh, c'était une vie de héros. Et maintenant, regardez-moi, je vis dans un château, je dors dans un lit. Et je parle tout seul. Ah, bravo! J'aimerais connaître une raison qui me pousse à rester ici. Oh. Ah, ben la voilà la bonne raison. Oh, vous êtes superbe, princesse. Surtout vu sous cet angle. Oh, je te l'avais dit. Tu devrais faire attention. Oh, là, je crois que j'ai offensé son Altesse royale. Non, non. Encore un qui plie pendant que je prends la force 3. Ah, attention, je suis chatouilleux. Oui, mais ça... Ouille. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah si vous voulez danser, il faut le dire. Oui, j'ai une question. Gare au coussin. On s'amuse bien, mais les autres clients commencent à s'impatienter, voyez-vous. Et voilà. Oh, mais vous m'êtes très sympathique. Mais malheureusement, il faut rentrer chez vous. Oh non. Et dites à Ganon que s'il veut vraiment la Force 3, il a intérêt à venir la chercher lui-même. Parfait, je préfère ça. Voilà comment j'aime commencer la journée. Eh, il faut garder un petit souvenir. Oh, 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 oh. Zelda. Oh, mais bien sûr, j'allais oublier. Après avoir évité le vol du diamant Force 3, le héros a bien mérité une récompense. Oh, ouille, ouille. Je t'interdis de me siffler à l'avenir. Non, mais je crois que je ne sifflerai plus jamais. Tu ne fais jamais de ménage ici? Oh, excusez-moi, princesse. Si j'avais su que tu venais, j'aurais demandé aux Molines de faire le ménage avant de repartir. Et il y avait des Molines ici? Et quand ça? Eh bien, il y a une dizaine de secondes. Et, enfin, il devait être une quinzaine, armés jusqu'aux dents. Et bien entendu, je me suis battu comme un lion et j'ai risqué ma vie pour sauver ton royaume. Mais je n'attends aucune récompense. Non, aucune. Juste un coup en pleine tête, ça me suffit largement. Oh, pardonne-moi, Link, excuse-moi. Mais tu m'as énervé. Non, c'est vrai. Bon, enfin, bref, c'est la troisième fois que Ganon attaque ce mois-ci. Il va falloir que nous soyons sur nos gardes. Nous? Princesse? Quand je dis ça, je pense à toi, bien sûr. Aujourd'hui, reste ici et garde la Force 3. Oh, mais princesse, il fait bien trop beau. Ne discute pas. La Force 3 doit être protégée. Et je suis déjà en retard pour présider le concours de magie. Mais... Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Au revoir. Oh, ah ah. Allez, allez, allez. Allez, sombre imbécile, vous avez échoué une fois de plus. Pardon, Ganon. Vous allez le regretter. Ah non, non, ah non. Ah non. Pas les chatouilles électriques. Je crois que si je veux le diamant de la sagesse, il faudra que j'aille le voler moi-même parce que... Heureusement, il y a un concours de magiciens amateurs au château aujourd'hui. Et je vais participer à ce concours. Mais tu n'es pas un amateur, tu es un grand maître.
Ils ne peuvent pas le savoir. Étant donné que mes pouvoirs de télétransport sont illimités dans ce monde, il faut que je voyage selon un certain style. On va rire. C'est un royaume tranquille où il fait bon vivre. Eh bien, ça va bientôt changer. Dépêchons-nous! Et voilà quelque chose que vous pouvez utiliser pour notre jardin, Votre Altesse. Regardez. Magnifique. Tout à fait remarquable. Eh oui, non. Oh, ma chavère, oh, ma lutte. Qui est-ce qui ose se moquer de moi? Je crois que mon nom n'a aucune importance. Je veux simplement participer à ce concours. Vous êtes un amateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, attendez votre tour. Ah, je crois que c'est à moi, messieurs. Merci. Dépêche-toi, vole jusqu'à la tour et dis-moi si quelqu'un garde le diamant de la sagesse. Et voilà mon meilleur tour, Votre Altesse Royale. Cela permet de repriser les chaussettes usagées. Vous voyez, c'est très simple. Esprit, tu as une fille, toi aussi. Comment puis-je attirer l'attention de Zelda? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une idiote. Tu devrais rester avec moi. Mais tu ne mesures pas plus de 3 cm. Et alors? Tu n'aimes pas les petites femmes? Oh! Oh, ça, c'est mignon. Impossible, il y a Link qui monte la carte. C'est Link. Alors on va le convaincre d'aller jouer ailleurs. Oh, 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 c'est monstrueux. Zelda! Vite, elle est en danger. Reste là, je vais l'aider. Oh, c'est curieux. Oh, il faut pourtant que j'y arrive. Et voilà! Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais presque rien. Je ne fais que te sauver la vie, c'est tout. Pourquoi? Tu étais pourtant censé garder le diamant Force 3. Bon, excuse-moi, princesse. J'ai... Ah! Diamant de la sagesse, il est enfin à moi! Non! Non! Pas question! Va-t'en de là, pauvre insecte! Il est à moi! Il est enfin à moi! Tu as choisi la voie du mal, mais les forces du mal finissent toujours par s'incliner. Silence! Dépêchons-nous, esclaves. Emmenez-moi loin d'ici. Regarde,
Regardez, Ganon a le diamant de la sagesse. Et il est en train de s'enfuir, regarde. Jamais nous n'arriverons à le retrouver. Mais oui, bien sûr. Allez, vite, fais le sortilège de la grandeur. Oh! Je peux aimer cette fille. Ce que nous faisons est complètement fou. Yo! Et comment va-t-on redescendre maintenant? Et voilà, je t'ai sauvé la vie une fois de plus. J'ai droit à un baiser. Attention, c'est Ganon. Plus vite, plus vite! Il y a une entrée secrète de l'autre monde juste devant! Je vais ralentir un petit peu, tu vas voir! Au revoir, Ganon! Attrapez-les! Vite! Pendant ce temps, j'appelle des renforts pour l'anéantir! Alors là, je crois que je vais encore me rendre utile. Prends ça, princesse. Oui. En arrière, princesse. Et vite. Il me les faut. Merde-toi. Non, pauvre demeuré. Attrapez-les comme ça. Là, là. Link, fais quelque chose! Merci, Ganon! Il me les faut! Il me les faut! Ou je vous anéantis! Link, une bombe! Et je ne peux rien faire, moi! Moi, j'ai le diamant de la sagesse. Vous avez perdu. Je vais devenir le maître absolu. Peut-être pas encore, Ganon. Et voilà la force 3. J'ai sauvé le royaume une fois de plus. C'est bien, non? Oui, tu as eu de la chance. Et maintenant, enlève cette ceinture. Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Un baiser. Allez, dépêche-toi. Non. Alors, nous restons comme ça? Bon, très bien. Je suppose en effet que tu mérites une récompense, mais que ça ne devienne pas une habitude. Oh, mais rassure-toi, c'est promis. Vous faites tous les deux. Et toi? Oh, je comprends, la ceinture est bloquée. Je vais vous arranger ça. Oh, oh. Oh non, on ne touche à rien. Juste au moment où je vais avoir mon petit baiser. Attendez que je sorte de là, Zelda. Et toi aussi, Link. Je vous jure que vous allez me le payer.